avis favorable. Le rêve actuel de tous les étudiants. Certains d'entre nous ont bien reçu cela. Et pourtant, ils ont choisi un autre chemin. Et tout cela commença par un accepté à la formation d'Injezel-Jezael. Tout commença au centre de facilitation. Personne ne connaissait l'autre. Grâce à notre coach bénévole, Mizian Eitiahia, qui nous a introduits au domaine de l'entrepreneuriat, dont on ne connaissait que peu de choses. Les jours passèrent, les liens d'amitié et de fraternité se tissèrent, nos informations sur l'entrepreneuriat s'enrichirent, et là, le sérieux travail commença. Croyez-nous qu'avoir des informations théoriques et être dans le bain, dans la vraie situation, n'est pas du tout la même chose. On a tout donné, on a travaillé comme des fous pour finir le travail avant le deadline. Et hop, accepté en quart de finale. La tâche est devenue plus lourde, on devait bosser encore plus pour continuer dans ce chemin et atteindre notre objectif, se qualifier en finale. L'aventure continua. Nuit blanche, rapport, prototype, deadline, pression, tout le monde bossait pour finir le tout encore une fois avant le dernier délai. Des hauts et des bas, des moments de tristesse et de joie, beaucoup de travail acharné sans un seul instant perdu. Une galère très dure, mais la motivation, l'espoir, la détermination étaient notre devise. Enfin qualifié en finale, on est parti à Alger, une aventure plus que magnifique. Arrivé en finale avec très peu de moyens, passé sous des yeux pathétiques à chaque fois, des moqueries à chaque fois. Une citerne? Vous êtes sérieux? Non mais vous perdez votre temps pour l'inutile. Personne ne croyait en nous, mais nous, on croit en CITEC. Une des plus belles expériences qu'on n'oublierait jamais. Malgré le stress de la compétition, CITEC a profité de ses beaux instants avec la deuxième famille. Malgré la concurrence, CITEC s'est faite des amis. Mais CITEC est là pour une seule raison, qui est de gagner. Et oui, après les efforts, les nuits de tempête, c'est enfin le beau temps. CITEC a relevé tous les défis, a pu marquer sa présence et a pu avoir le prix de la meilleure entreprise en Algérie. C'était la première réussite de CITEC, ce qui restera gravé dans la mémoire de chaque membre de l'équipe. Mais c'était que le début, une nouvelle expérience était à l'attente. Et là, on nous annonçait qu'on allait représenter l'Algérie à Oman. Waouh ! On s'est dit, non mais qu'est-ce qui nous attend ? Le moment de la compétition approcha. Avant le voyage, on est reparti sur Alger. Et c'est là que Mehdi Atmani apparaît, notre grand frère, notre babysitter comme le dit lui. Mehdi, les mots ne suffisent pas pour te dire à quel point nous sommes reconnaissants et décrire ce que nous ressentons pour toi. Dire merci ne suffit pas. Lors de notre stage à Alger, nous avons rencontré des personnes formidables. Leïla, notre bouffée d'énergie. Juste le fait de te voir, ça nous donnait le sourire, la positivité et la joie, nous englobait sans même se rendre compte. Merci à toi Leïla. Nous tenons aussi à remercier Lynn, Idir, Monsieur Azouz, Sofiane et tous ceux qui nous ont rendu visite et partagé leurs connaissances et leur expérience avec nous. Le jour du voyage arriva. On n'oublierait jamais nos aventures à l'aéroport et dans l'avion. L'arrivée à Mouscat, on a été accueillis par Monsieur l'ambassadeur d'Algérie à Oman. C'était vraiment une agréable rencontre. Direction le boulot. Lors des sessions awards, on a acquis de nouvelles notions et appris beaucoup d'informations avec des entreprises internationales telles que Boeing, Mastercard, NBC, InvestCorp. Après ça, et dans une atmosphère pleine de dynamisme et d'énergie, on a monté notre stand. Et le jour J, on a fait notre présentation sur stand, celle sur scène et puis le panel de questions. Tout en ayant l'esprit de compétition, malgré le stress, on a su gérer ça. Et le plus important, c'est qu'on s'est amusé. Bref, cela fut une expérience dure, mais en même temps magnifique et enrichissante, qui nous a permis de rencontrer de nouveaux gens, de connaître un nouvel entourage et de créer de nouveaux liens. Merci à vous. Merci, Angels.